Le week-end sera placé sous le signe du soleil. En attendant, ce vendredi 23 septembre 2016, quelques passages pluvieux sur le nord des Hautes-Pyrénées, sur la côte basque et le nord des Landes. Ailleurs, le temps sera légèrement nuageux avec de belles éclaircies matinales. S'il fera 15 degrés à Bayonne, vous aurez 12 degrés à Pau, Orthez, Tarbes et Lourdes. L'après-midi, le soleil s'affichera franchement sur le Pays Basque jusqu'à l'Atlantique, quelques nuages encore sur le Béarn et la Bigorre et de possibles passages d'averses en montagne. Il fera 22 degrés à Biarritz, 23 degrés à Argelès, 24 degrés à Pau, Oloron et Tarbes et jusqu'à 25 degrés à Orthez. Sur l'agenda, n'oubliez pas vos rendez-vous du week-end. Sur Tarbes, par exemple, vous pourrez profiter de Terroir, le rendez-vous de l'art et de la gastronomie. Ce sera sous la halle Marcadieu samedi et dimanche. Vous avez également rendez-vous sur Pau à Emmaüs l'Escarpeau avec les journées des abeilles, des animations jusqu'à samedi. Samedi, l'automne débutera avec des accents d'été indien grâce à un soleil présent sur tout le territoire dès son lever, à l'exception de quelques nuages légers sur la côte basque. Il fera doux à Bayonne le matin avec 15 degrés, un peu plus frais en plaine avec 11 degrés à Tarbes et Pau. L'après-midi, les nuages seront plus nombreux en montagne, mais le thermomètre affichera 28 degrés à Tarbes et Anglette, 29 degrés à Pau et jusqu'à 30 degrés à Orthez. L'info en vidéo, c'est sur HPTV, la télé des Pyrénées, avec le JT 65, le journal des Hautes-Pyrénées. C'est aussi votre magazine HP Hour, je vous le rappelle, qui fera sa rentrée ce lundi 26 septembre avec toutes les chroniqueuses qui sont réunies sur le nouveau plateau de HPTV. En attendant, ce week-end, vous pouvez profiter du dernier et best-of de la saison.